préciser un peu ce que c'était un géant. Mais c'est un napolitain, on s'en fiche, on recommence. Allez, on recommence. Bonjour les gourmands et bienvenue sur la cuisine de Linette. Aujourd'hui au menu, nous allons vous apprendre à faire un napolitain géant. Mais avant de tout vous expliquer, je vous invite à vous abonner et à mettre un like. Yo. Générique. Étape 1. Les ingrédients. Léa, que nous faut-il pour faire cette recette? La farine. Des œufs. Des œufs, t'as pas besoin de les compter. 8 œufs. 8 œufs. 8 œufs, pardon. Ah, y a rien dedans. De la levure chimique, de la pâte à tartiner, du sel, du sucre, des vermicelles, un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf. Et du sucre glace. Du sucre glace. Et t'as oublié l'arôme de vanille. Ah oui, l'arôme de vanille. Et puis on a oublié aussi un truc que j'ai oublié de remettre dans. Je m'oublie de vous mettre, c'est le cacao amer. Ici, le cacao amer. Je l'ai oublié. Vous trouverez la liste des ingrédients dans le descriptif. Et la recette aussi. La recette. Étape 2. La préparation. Alors, Léa, on va déjà mélanger tout. Ton petit bol, tu l'auras après. Alors, on va déjà casser les œufs. Tiens, pendant que je vais mettre le sucre. Toi, tu vas me casser tous les œufs un par un là-dedans. Ouais. Et tu mets les coquilles ici. Je sais pas si j'en fais tomber dedans. Dans quoi? Dans le saladier. C'est pour enlever la coquille. S'il y a de la coquille là, tu l'enlèves. Moi, je verse le sucre dans le saladier. Voilà, allez. On passe la seconde. C'est écrit quoi sur les œufs? La date de péremption, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils seront plus bons à manger. Non, mais c'est écrit... C'est de là où ils sont... Je sais plus à quoi ça correspond. Zéro, c'est quand ils sont enlevés en plein air. Map 01. Allez, vas-y, casse. Attention, il y a de la coquille là. Oh. La coquille, on veut pas. Quoi? Allez, moi je prépare mon batteur. On veut pas de la coquille. On veut pas de la coquille. Batteur. Batteur électrique. Batteur. T'es bon, t'as cassé tous tes œufs? Ouais. Allez, je les mets dedans. Qu'il y ait pas de hâte. Non, il n'y a pas de coquille. What? C'est rien. Allez, on va tout mélanger. Ouais, c'est... Je cherche un garçon. Voilà, on a tout bien mélangé. Maintenant, là, on va mettre quoi? Là. On va mettre la farine. Oui. Vas-y, tu la mets. Je verse tout d'un coup. Oui. Wow. C'est satisfaisant, on dirait de la neige. Non, mais vas-y, pose-le à côté sur ton bol, là. Doucement, tu casses les oreilles à tout le monde. Attends. Tiens, vas-y, coupe ça et tu mets dedans aussi. Ah bah tu la mets dans le plat, enfin à côté du plat Léa. Mais j'étais en train de vous. Dans la poubelle Léa après, une petite poubelle exprès. J'avais pas. Dans le travail propre comme ça. Et il faut que tu mettes une petite pincée de sel, pas beaucoup, tu vas doucement. Une pincée. Non, faire comme ça directement, mais tout doucement. Hop, c'est bon. En plus tu l'as mis sur la levure où il fallait pas. Tout ça. Et on mélange tout. Et on mélange tout. Voilà. Ah, enfin! Allez, il faut mettre 315 de pâte dans ton petit bol pour faire un tiers de tiers. 315. C'est non, moi. C'est moi qui fais parce que je regarde combien ça fait. Non, c'est moi. Là, on arrive à 1000. Mais non. Monsieur, tu nous fais des bosses. Essaie de nous faire des jolis rubans. Hop, stationne. Stationne! Voilà, donc maintenant, moi. À 311. Oui, on est pile poil. Donc toi, tu vas rajouter celui-là dans le tien. Tiens, on va enlever la balance, ça sera mieux. On va enlever ça pour faire de la place. Tout d'un coup. Travailler. Oui, si tu veux, tout à coup. Ouh. Léa, dans son bol, où elle a un tiers de la pâte, elle va mettre le chocolat. Et moi, dans la mienne, on va mettre de l'arôme vanille. Alors, ça, c'est du cacao. Du cacao amer. Et alors, je vais mélanger. Laissez-moi lire, madame. Il y a un trésor! Il y a un trésor! Dedans! Un trésor! Avec l'imitation de Peter Pan. Ah ouais, d'accord. Tu repasseras alors. Quoi? Tu repasseras, allez! À toi! Tu vas mélanger. Tu restes bien dedans quand tu mélanges? Oui. Allez, vas-y! Tiens ton bol en même temps, sinon t'en es partout. Bon bah, lève-le pas! Ne le lève pas, sinon le cacao est fini à côté. Tu passes à la vitesse supérieure? Non, c'est bien comme ça. C'est très bien. Tu voles. C'est un peu bizarre d'avoir des vibrations dans le bras. Ça vibrationne. Allez, c'est bon. Hop. On a cassé le mixeur. Mais non, on a cassé le mixeur.
Pourquoi tu veux casser les mixeurs? Allez, hop. Mais dis donc, la clown. C'est pas une clown. Tiens, t'as ta petite spatule là-bas. Tu sais comment on fait? Comment qu'on fait? On verse. Ouais, c'est bien. J'ai oublié la mienne. C'est facile en même temps. Moi, je fais pareil. Hop. Regardez, un petit sous. Mais t'es, en fait, t'es pas centrée, ma puce. Ce qui fait qu'on te voit qu'à moitié. Attention, je vais tourner. Je me vois. On voit un bol en l'air aussi. Ça y est. Et après, tu prends ta petite spatule et tu racles. Et je racle. On est au bout du rouleau. Tu crois? Ça veut dire quoi être au bout du rouleau? Il y a deux expressions. Hein. Au bout du rouleau, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Aussi, c'est pas une expression parfois. C'est quand on n'a plus de papier toilette ou pas aux toilettes. Ah, on en revient à la cuisine. Tu nous évites tes explications sur la salade de bain et les commodités. Allez, étale bien. Pam, pam. Ça y est, c'est l'heure de l'étalation. De l'étalage, Léa. L'étalage, oh là là. Je ne sais plus parler. Allez, on va mettre au four et nous, on se retrouve dans 15 minutes. Dans 15 minutes. À tout à l'heure. Étape 4. Le dressage. Alors, nos deux gâtons, on les a démoulés, ils ont refroidi. Gâteau. On va les couper en deux rectangles. Donc, je vais couper déjà celui-ci. Je peux essayer de couper. J'ai pas pris le bon couteau. Alors, on va prendre un autre. Je peux essayer. Non, parce que toi, t'as pas la plaque en dessous. Moi, j'ai mis une plaque de... Une plaque en dessous. On va essayer de remettre par-dessus pour faire la même... C'est la même épaisseur. Hop. Voilà. Là, on dirait que c'est tout collant. Enfin, c'est... Alors, attends. On va poser ça là. Une seconde. Maman qui va bugger ou exploser. Pourquoi ça? Bah, parce que là, tu ne comprends pas. Merci. J'ai juste... J'ai un petit manque de place, on va dire. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Non, non, attends. Celui-ci, on va le couper aussi en deux. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, Léa, c'est la partie que tu vas adorer. C'est quoi? Une dégustation? Non, on va tartiner de la pâte à tartiner. Je pourrais les chatouiller. On verra après, oui. Alors, on va séparer ça. Donc, tu vas m'en mettre une couche là. Pourquoi je ne fais pas sur le chocolat? Parce qu'on va le faire après, le chocolat. Ah oui, je suis bête, on ne va pas le faire sur le chocolat. Il y a déjà du chocolat. Alors, elle est où ta petite spatule? J'ai lavé, elle est là. Hop. On dirait une cuillère. Regarde. Tu vas prendre ça et tu vas me l'étaler partout là, doucement pour pas. Non, sur un seul, mais tu t'évites de m'arracher ma belle. Et là. Allez, concentration. Concentration. T'en mets bien partout. Bien partout. J'en faut pas un peu plus. Je vais t'en redonner. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un trou. Deux. Bah, en même temps, c'est qu'elle est pas solide. Allez, moi je fais pareil de mon côté. Hop. Je fais comment là? Il y a mis le trou. On met bien de la pâte à tartiner partout. Partout. Ah, maintenant, je vais prendre ma partie. Moi, hop. Bah quoi, on est en cuisine et les coqs, ça se mange. Les coqs, est-ce que ça se mange d'ailleurs? Oui, un coq, on peut faire un coq au vin, c'est très long à préparer. T'en as déjà mangé? Il y a très longtemps. Attends, ça colle en dessous, j'ai pas envie de tout casser. Et de me couper les doigts surtout. Ouais, il a collé en dessous, tu vois. Il a collé en dessous. Attention, pardon, enlève tes mains. Hop. Voilà, on le recoupera après. On va déjà mettre celui-là. Tu veux étaler sur celui-là? On échange de place. Attends. J'aurais dû te le décoller avant, j'ai pas pensé. Madame, on échange de place? Oui, on va échanger de place. Je suis prête. Vas-y, étale. Je dis à Léa de pas se lécher les doigts, mais c'est ce que je fais moi. Attends, je prends mon petit bout de... Bien. Allez, étale. Faut qu'on finisse. Ça fait bizarre d'être là. Ah ouais? Faut que je le recoupe après pour qu'il soit à la même dimension de partout. Étale dans le même sens, Léa. Soit tu fais comme ça, soit comme ça, mais pas dans les deux sens. Je vais prendre la
fait. Vas-y, tiens, regarde. Hop, voilà. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien être de ce côté plus souvent. Regarde ce que tu fais, t'en mets partout à côté. Non, alors, regarde, je te montre. Parce que là, on y est encore demain. Non. Si, si. On y est encore après-demain pour maman. Là, j'ai vraiment au bout du rouleau s'il faut 3 jours pour faire un napolitain. Moi, faudrait que je sois vraiment à cette place plus souvent. Hein. Comment? À ta place, là, je suis bien. Ah, ça t'est pas pensé à une chanson à ta place? Quoi? Ça t'est pas pensé à une chanson ah, à ta place? À ta place, je ferai comme si. À ta place, je ferai comme ça. Je peux poser? Non, là, ça va être compliqué. Déjà pour moi. Hop. Hop. On le pose par-dessus. On va prendre cette partie-là qu'on va mettre par-dessus là. Voilà. Ce qu'on va faire, on va le remettre partout, même mesure. On va recouper là. Il y en a une qui va se régaler là. Oui, tu peux manger ça si tu veux. Comme ça, tu vas nous dire avant de la dégustation, même que tu n'y es pas fini, ce qu'on a encore au dressage. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre glaçage, Léa. Mm-hmm. Tu sais comment on fait le glaçage? Ah, tu finiras après. Là, on va faire le glaçage. Alors, on a notre... Par contre, là, on va avoir besoin d'une grille et d'un plateau. Mon plateau, je l'ai rangé. Tiens, me chercher le grand plateau, s'il te plaît, Léa. Le grand plateau qui est sous le micro-ondes. Le grand grand. Oui, celui-là. On parle pas la bouche pleine, dis donc, mademoiselle. Mmh. Allez, on va se mettre comme ça. C'est le plus grand qu'on a. Allez, on va décaler. Hop, tu manges pas le gros gâteau, hein. T'attends. Allez, on va faire le glaçage. Tiens, moi, j'ai un bout de gâteau dans mon tablier. Hein. Ton tablier? Ouais. Alors, comment on fait le... Comment on fait le glaçage, Léa, tu sais? Il faut prendre des vermicelles. Non. Le glaçage blanc, comment on le fait? Il faut prendre une pochette de trucs. Non, alors je t'explique comment on fait le glaçage. Il faut un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, oui. Ah, je crois. Ah, moi je croyais le mettre. Et du sucre glace. Je mets. Non, pas tout de suite, attends. Il faut déjà commencer par battre le blanc. Je fais. Non, ça je fais moi parce qu'il faut de la précision. Une pincée de sel. Pas les ustensiles, regarde. Bah, si, moi mon batteur il voulait pas venir. Regarde, yeah, ça fait le blanc du glaçage. Ouais. Non, j'ai dit ça fait le blanc qui est sur le dessus du napolitain, c'est blanc, tu sais, et après on met les paillettes. C'est pas les paillettes, les vermicelles. Ouais, paillettes, vermicelles, c'est kiff kiff. Ah, mais j'ai des paillettes. Oh, ça y est, j'ai déçu. Ah, est susceptible aujourd'hui, oh là là. Si ça veut dire quelque chose, susceptible, ça veut dire que dès qu'on dit quelque chose qui ne te convient pas, tu t'en vas. Allez. Bah, je vais étaler toute seule en beau glaçage. Non, attends, il nous refaut une petite spatule. T'en as pas une? Spatule. Ah, elles sont ça, elles faut nettoyer. Oh là là, Léa, t'as pas fait ton job. Eh, c'est pas moi de les nettoyer. Ah bon? Non, t'es dans train de faire la bête, c'est final. Oh, j'ai chaud. Je vais pas être partout, malheureusement. J'ai chaud, moi. Moi aussi, j'ai chaud. Alors que je suis en bretelles. Vraiment, les plus... des bretelles que j'ai dans ma chambre. Alors là, il faut faire tranquille parce qu'il faut qu'on puisse en mettre partout. Je vais le faire. Et après, on va l'étaler. Regarde comment c'est joli déjà. Oui, c'est beau, mais il faut que ça soit double. Oui, je sais, mais j'essaye d'étaler régulièrement pour que quand on étale, ça y en ait partout. Si c'est ultra méga ressemblant, là, je ne sais pas quoi dire parce que je ne sais pas si ça peut être vraiment ultra méga, ultra méga, ultra méga, tu vois ce que je veux dire? Ressemblant. Mmh.
Et j'espère que ça sera rassemblant. Hein. Attention, ça dégouline. C'est fait exprès, c'est pour ça qu'il y a la grille en dessous. C'est quoi? C'est pour ça que j'ai mis une grille et le plateau. Pour ça que t'as mis notre plus gros plateau. Bah oui, pour que ça coule pas sur le... Mon plateau de petit. C'est pour pas que ça coule sur le... Comment? Aide-moi. Sur un plan de travail. Plan de travail, voilà. Merci. Sur la nappe, tu veux dire. Oui, mais c'est un plan de travail quand même qui est en dessous. Ceci est une attention, nappe tu vas mettre dedans. Oh là là, c'est pas toi qu'on doit glacer. C'est le... C'est pas quoi qu'on doit... C'est pas toi qu'on doit glacer. C'est le gâteau. Ah, si, comme ça. Ouais, ouais. Avec gourmande. Je peux goûter le glaçage. Après. Sur la spatule. Toi, il en manque encore là, regarde. Il y a un trou. Sur la spatule. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Me pousse pas. J'ai perdu mes bras. Ah, les bras t'en sont tombés, dis donc. Ouais. Ça pouvait te rendre muette, des fois, ça serait bien aussi. Quoi? Ça pouvait t'en rendre muette, ça serait bien aussi. Allez, vas-y, tu vas te faire plaisir maintenant. Je veux goûter. Tu vas déjà mettre ça. Je mets tout? Non. Tu fais comme ça, regarde, je te fais le début. Et tu fais, tu parsèmes, vas-y. Non mais et doucement, légèreté Léa, je t'ai dit. On n'est pas des bourrins, regarde. Vas-y, tu fais doucement. Non! Oh là là. Tu, comme ça. Non mais toi, regarde, tu m'as fait un gros pâté. Ça va être trop sucré. Ah, je vais finir. Voilà. Je vais essayer. Parce que là, tu vas nous viter. Non, tu prends pas. Tiens, je t'en mets un là, si tu veux. Touche pas le gâteau avant qu'il soit fini. En plus, maintenant... Ça touche la mouche. Bon, faut qu'on trouve une place dans le frigo. On va le mettre au frigo. Où est le glaçage? Tiens, le glaçage. C'est du sucre glace et du... Comment? Et de l'œuf. T'aimes pas? Pas trop. Bah non, c'est du blanc d'œuf. Bon, allez, nous, on vous laisse. On va mettre ça au frigo. Léa, reviens. Elle ne veut pas attendre une heure. On vous laisse, on remet. Je vais le mettre au frigo une heure pour qu'il reprenne, qu'il se prenne bien. Et on fera la dégustation après. À tout à l'heure. Étape 5. La dégustation. Alors, on va chercher notre napolitain, Léa. Napolitain. Peux-tu regarder comme il est beau, notre napolitain. Alors, si j'arrive à vous le montrer dans ce sens-là, où il est un peu plus gonflé qu'on voit bien l'intérieur. Regardez, hop. Léa, ah, je t'en coupe une petite part, c'est bon. Attends, je monte. Mais non, c'est là qu'on voit. Tant qu'on vous vient de part. Yes. Oui. Je te donne une cuillère, un couteau. Tiens. C'est moi qui prends le couteau. Je mange avec le couteau. Moi, j'ai montré l'assiette à dessert. Je peux la manger avec les doigts. Bah, c'est mieux que la cuillère. Non, c'est mieux avec les doigts. Tiens. Regardez. Hop. Merci. On va montrer là. Non, stop. Attention. Non, c'est là qu'il faut montrer, c'est l'eau claire. Tu es toujours là, toi. Oui, bon, c'est pas grave. Allez, goûte. Mais attends, je voulais croquer un bout. Oh, c'est pas grave. Je voulais manger un. Non, mais non. Allez, voilà. Allez, mange. Non, c'est bon, t'as mis tes doigts partout. Maintenant, tu manges toute seule. C'est pour ça que je veux que tu prennes la cuillère. Alors, il ressemble à celui qu'on achète? Oui, il est meilleur. Le chocolat plus croustillant. Ah, c'est Nutella qui s'est pris dedans, il a durci. Non, je pense que c'est juste la pâte. Elle est meilleure? Elle meilleure est comme ça? Croustillante. Ah, d'accord. Bon. Et ben voilà, notre napolitain est prêt. Nous, on va aller le goûter, parce que c'est plus que l'heure du goûter. Léa, elle a déjà commencé son goûter. Tu vas où? Mais l'heure, je la vois, il est 5h30, Léa. 17h28. Oui, allez. 17h28. Vous pouvez le couper comme les petits napolitains en portions pour faire chacun une part ou le laisser en gros gâteau comme ça. Nous, on va aller se régaler. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous la reproduirez chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et des petits commentaires et activer la clochette. Comme ça, vous ne louperez aucune de nos nouvelles recettes. À bientôt et bon appétit!